Super plaisir, même. Retour sur les lieux une dernière fois. C'est ça que tu te dis aussi? Je dis ça, c'est ma dernière soirée au château. Mais moi aussi, je suis sûr. Non, mais il y a un moment où on va pas pouvoir sortir tous les deux, faut qu'on soit d'accord. Donc, ça va? Tu peux retourner là-bas? Mais je plaisante, mon Grégouille, oh là là. T'as mangé? Vous avez mangé? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tu me débectes, Derk. Après Oscar Sisto, ça t'excite ou pas? Non, pas du tout. Bah on s'est bien marré, hein. Dis donc, hein, c'était une bonne partie de plaisir. Moi du coup je chante avec Karima, Jean-Pierre François, moi et Sandy avec Nicolas Pierre, qui on s'est tous trempés, on comprend plus rien. Plus rien on comprend. Non, sérieusement? Je comprends, oui. Ils ont inversé en fait. C'est un bordel. Comment ça s'est passé avec Karima? Très mal. Imagine la situation chelou. Non, c'est bien passé. Comment elle va? Tout le monde est venu. C'est quoi tout le monde? Bah, le père de Sandy. Ouais. Ça s'est fait baisser les répètes? Ouais, ça va, ça, c'était vraiment rapide. Hein. Ah ouais? Vraiment très très rapide. Pas le temps de. Tu vois? La chanson, ça rend bien avec Karima? Ouais, ça va. Hein. Ça va. C'est surtout content de la revoir. Chaque fois que je la vois, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que t'as ressenti? On va voir plus tard. Bon. Oh non, oh non. Pas elle. La diva du château. Ouais, la capricieuse. Du au fait, alors t'es obligé d'aller prendre un truc dans la cuisine, toi. T'avais pas commencé un truc de Smax? Eh, tu me casses tes couilles. Pourquoi je l'ai arrêté, le truc de Smax? Parce que tu m'as renversé de l'eau et que j'ai dû aller me sécher. Et bah, dans et qu'après, ce cas-là. Les céréales, elles étaient toutes molles. Et alors ouais. Lâche-moi la grappe, tu me saoules, t'as qu'à vider le bol. Dans ces cas-là. Et dans ton cul. Oh là là. Et je supporte pas ton Stéphane. Oh, parle mieux que ça. Eh, qui c'est qui m'a insulté pendant tout le repas? Il y a des limites, toi, dans les insultes. Je te rappelle, Francesca, que nous sommes regardés par des enfants de moins oui, de 15 ans. Oui, bah alors dis-le à Sofiane et Greg qui arrête pas de me martyriser, s'il te plaît. Sofiane, Francesca, c'est un modèle de pas suivre. Simplicité, de gentillesse, de politesse. Ouais, bah c'est ça, ouais. C'est un modèle. Prenez exemple sur elle. John, Sofiane, Oda, Lucie et Francesca. Et les trois cancres, vous pouvez rester chez vos mères. Ah, tu me dégoûtes. C'est qui? Je te jure, je te vomis dessus ce soir. Ah, je suis dégueulasse. Oda, c'est Oda, elle fait caca. Oda, t'es toujours au. Ça pue ou quoi si j'y viens? Hein? Ça pue si j'y viens ou quoi? Ciao. C'est vrai? Chaud. On me réveille. Aïe. M'arrête de faire mal. On va te retourner une tartiflette dans la tronche. C'est là pour toi la rose? Oui, c'est chez Christophe. Putain. Enfin, oui, c'est pas ruiné, hein. Oh, putain. Si tu nous regardes, sache que je vais donner le meilleur de moi-même pour les SOS. Mais bon, voilà quoi, j'espère que ça ira, quoi. Christophe, si tu nous regardes, moi je lui fais un gros bisou. Et moi, je t'aime. Moi, je prends soin de ta Oda ici. Merci. Enfin, je pense que oui, tu prends bien soin de moi. Alors, viens, on y va. Bien. Ah, je pense que. Harlem! Je te jure, tu l'avales. Non, non, là, il y a des microbes. Non, non, pas ça. Non. C'est parce que c'est toi. Shoot-moi en pareil. Moi, shoot. C'est Greg. C'est Greg, tu crachais. Ce soir, c'est nos limites, je te promets. Arlène. Putain, arrêtez de jouer avec la bouffe. C'est quoi, ça? T'en veux?